Good Morning Business. Le débat. 12 Daniel qui ont peut-être trouvé la solution pour sortir de la crise de la réforme des retraites. Alors, on s'est un peu inspiré du MoDem qui propose on va raconter. De travailler. On va raconter. Qui propose notamment de travailler 35 heures et demie. Et on pourra aller plus loin, en fait. Alors, je vais reprendre vraiment la base de ce que dit le MoDem. Des députés MoDem préparent visiblement un amendement pour passer la durée hebdomadaire du travail de 35 à 35 heures et demie. Je ne vois pas tellement la cohérence de l'histoire. On va générer des cotisations sur la demi-heure supplémentaire et ça va permettre de réduire la décote sur les petites retraites et les carrières hachées. Je ne vois pas comment la tuyauterie se fait. En tout cas, on est vraiment là sur un sujet. On gagne quand même 2 milliards. Oui, 10, 2 milliards. Bon. Ah. On est sur un sujet purement politique. François Bayrou voulait une hausse des cotisations patronales sur les retraites. Il a été retoqué là-dessus. Il faut sortir quelque chose, avoir un truc sur le tableau de chasse. Parce que, alors, évidemment, ça a été le boulevard, vous imaginez, pour les oppositions quand ils ont vu cet amendement. Alors, Olivier Véran a dit c'est hors de question, hein. Clairement. Donc il ne faut pas s'imaginer qu'on va, en plus de la réforme des retraites, toucher à la durée hebdomadaire du travail. Là, vous imaginez effectivement autant donner trois bâtons de dynamite d'un coup à l'ensemble des opposants du système. Donc les réactions, Fabien Roussel nous dit « demain c'est la fin des congés payés, stoppons-les ». Vous avez Benjamin Lucas pour Les Verts. Leur projet, c'est de démanteler une à une toutes les conquêtes sociales de ces 50 dernières années. Et Clémentine Autain, la semaine prochaine, ce sera le retour du travail à partir de 10 ans et la fin du CDI. Je crois que là, les choses sont claires. Le débat est posé. Voilà, donc c'est n'y comptez pas. Voilà, ça c'est le contexte politique. Et après, pourtant, économiquement... Après, le sujet, c'est bien de travailler plus. Ça fait combien de temps qu'on en parle? Donc après, vous pouvez voir toutes les pistes disponibles pour travailler plus. Vous pouvez décider qu'il faut travailler plus tout au long de la vie. Là, l'outil idoine, effectivement, c'est l'âge de départ à la retraite. Après, il y a tous les efforts qui peuvent être faits au début de la vie professionnelle pour commencer peut-être 1 ou 2 années plus tôt. Vous pouvez considérer qu'il faut travailler plus tout au long de l'année. Alors là, il y a des choix politiques. Je décide, par exemple, que le travail dominical va être plus simple ou qu'on va supprimer un jour férié. C'est une solution. Et puis on peut décider qu'on peut travailler plus pendant la semaine. Et là, effectivement, à ce moment-là, on attaque la conquête sociale de la fin des années 90, les fameuses 35 heures, ou alors on décide qu'il y a un jour de congé supprimé, ou on décide qu'il y a des jours de RTT supprimés. Voilà les pistes pour travailler plus. Mais je pense que ça va rester du domaine de la réflexion. Jean-Marc, les 35 ans, les 35 heures et demie, vous en pensez quoi? Oui, vous ne seriez pas surpris d'apprendre que je suis favorable à l'augmentation de la durée du temps de travail. Je le dis sur cette antenne depuis assez longtemps. Alors, à coup de citation latine, qui non laborat non mando quet, c'est les Saintes Écritures, c'est une lettre de Saint Paul. On ne mange pas si on ne travaille pas. Et le problème de l'économie française, c'est moins le système de retraite que le fait qu'elle ne produit pas assez par rapport au revenu qui est distribué, ce que mesure son déficit extérieur. C'est donc, vrai. Là, c'est il faut vrai, augmenter la durée du temps de travail. Ce qui est intéressant dans la mesure, c'est que l'OCDE, qui a fait une expertise de la situation de l'économie française et qui partage mon diagnostic, dit en fait, si on supprime des jours de congé ou si on augmente la durée hebdomadaire du temps de travail, ça a comme avantage de mettre au travail des gens entre 30 et 50 ans qui sont plus productifs que quand on reporte l'âge de départ à la retraite de 62 à 64 ans, où normalement les gens sont moins productifs. Il y a des travaux de l'INSEE qui montrent que la productivité des salariés commence à baisser à partir de 55 ans. Et donc, on aurait plutôt intérêt à prendre cette mesure. Alors, Nicolas a dit, c'est dégoupiller une nouvelle grenade dans la Sainte-Barbe, c'est descendre avec une hors-torche dans la Sainte-Barbe, ça va faire exploser tout le navire. Alors je vais simplement faire la citation le lundi, citation du jour, citation du lundi. La gauche a pu croire que la France pourrait aller mieux en travaillant moins. C'est une fausse idée, parce qu'il n'y aura pas de progressisme sans vraie réforme, parce qu'il n'y aura pas d'émancipation collective et individuelle sans le travail. Heureusement, tout cela est derrière nous. Citation récente. Récente, oui. C'est Emmanuel Macron, ministre de l'économie, en août 2015. Oui, il a changé depuis. Hélas, j'aimerais que Emmanuel Macron, président de la République, rencontre Emmanuel Macron, ministre de l'économie, et en tire un certain nombre de leçons. Finalement, le MoDem, même si la mesure est modeste, parce que 35 heures et demie, c'est pas beaucoup, si on doit prendre effectivement des mesures, autant aller à 37 heures ou à 39 heures. J'ai calculé, moi, si on fait 38, on n'a plus besoin de réforme des retraites. On a les 10 milliards. Si on passe de 35 à 38 heures. Ouais. Oui. Écoutez, parce qu'une demi-heure, ça fait 2 milliards. Donc si vous voulez... C'est du calcul, la politique est à la louche. À la de Pentecôte, ça fait 2 milliards aussi. Mais il a quand même raison, Jean-Marc Mallet. On est sur des sujets indiscutables. Quand vous voulez équilibrer vos comptes extérieurs, soit vous amputez votre pouvoir d'achat, soit vous travaillez davantage. Mais objectivement, l'histoire d'équilibrer les comptes extérieurs, ça ne sortira pas de BFM Business. Mais pourquoi on ne peut pas discuter de ça, justement ? Mais tout le monde s'en fout.
Mais objectivement, pas moi. On se moque des comptes extérieurs. Regardez les évidentes sur l'histoire des retraites, le fait, enfin, on est sur des sujets démographiques, sur des sujets arithmétiques, et il y a des heures de débat pour savoir qui dit vrai, qui ment, est-ce que c'est efficace, pas efficace. Vous voyez bien que c'est sans fin. Vous avez une opinion qui est hostile à la réforme. On a fait un vrai faux vendredi, vous vous souvenez? J'ai vu les réactions sur Twitter. C'était, de toute façon, ce qui est vrai, c'est que c'est non. Mais non à la réforme. Non. Non. On s'en fout de savoir s'il y a les actifs, les retraités, la perspective de 0,7 ou 0,1 point ou 0,6 point de gain de productivité. Tout ça reste du domaine confidentiel. Bon, donc, c'est l'équilibre des comptes extérieurs, on va laisser ça à Jean-Marc Daniel, parce que malheureusement, je pense qu'il va le pénaliser. Dernière citation, we shall never surrender. Nous continuerons. Bon, moi, Churchill, ça. Tout seul. Churchill. C'est Churchill, exactement. Ceci dit, c'est peut-être un débat qui fait rage chez les influenceuses. On va leur demander, on est avec la présidente de la nouvelle fédération des influenceurs et influenceuses, Karine Fernandez, qui vous succède. Manifestement, moi, j'en fais pas partie. Hein. Mais non, vous êtes un influenceur. Non, mais on va vous trouver un agent. J'ai conclu la semaine dernière que la fameuse phrase faire de la pédagogie, ça ne servait pas à grand-chose, en fait. Mais arrêtez d'être déprimé comme ça. Il en a marre des retraites. 2020. Mais non, pas marre des retraites, mais. Bon. À demain, Nicolas. Vous n'y croyez plus, Nicolas. Mais on explique. Enfin, non, mais quand on explique que l'eau, ça mouille et que le feu, ça brûle et qu'on vous dit c'est pas vrai, il y a un moment, c'est un peu décontenançant. Il va falloir le réconforter.